Celui-là. Oh non, tu vas pas encore acheter. Le plaisir de marchander, qu'est-ce que tu en fais, hein? Qu'est-ce que tu en fais? Voilà une heure qu'on discute autour d'un fruit. Adé. On continue? Oui, seigneur Blanchot. Combien tu en veux? Si tu te taisais un peu. Écoute. Le glas. La chapelle des frères hospitaliers. Tu vas encore penser à frère Jean? Il nous enterrera tous. Sais-tu qui était cet homme? Non. Regarde. Des vêtements en lambeaux, des plaies par tout le corps, et la misère, et la maladie. Un pèlerin. Frère Jean, vous parliez de blessures. Tout le long du chemin vers la Terre Sainte, et même en Terre Sainte, des voleurs, des poignards, des épées, et la faim, l'épuisement, la mort. Pour Martin Bouvier, venu de sa Touraine prier sur le tombeau du Seigneur. Thibault, les voici tous à nous arriver, tous dans un état de dénuement, dont un chevalier tout occupé de sa vaillance et de sa gloire ne peut avoir soupçon. Thibault, il n'y a pas que des coups d'épée à donner en Terre Sainte. Pas avec moi. Martin Bouvier n'avait pas d'écuyer. Il en est mort. Tu plaisantes encore, hein? Et pourtant, maintenant, tout est changé. Changé? Blanchot, où se trouve le dernier pèlerinage à avoir abordé en Terre Sainte? Sur la côte, à 3 étapes au nord de Jaffa. À 3 étapes? En plein désert? Non. Avec la mer sur un côté. Bon. Au revoir, Blanchot. Ah non! On se débarrasse de moi que si je le veux. Et moi, ce que je veux, c'est de te regarder dans ta nouvelle folie. De l'eau. Dans le désert, tout seul. D'habitude, les pèlerins restent ensemble. D'habitude? Où sont tes compagnons? Par là? Par là, c'est la mer. Encore un patron de bateau qui les aura débarqués. Entre l'eau et le désert. Pourquoi? Moi, je vais te le dire. Parce qu'il leur avait promis de les emmener à Jaffa. Il a menti. Et pris leur argent. Voilà, toujours la même histoire. Tu en parles comme d'une banalité. C'en est une dans ce pays. On va te sortir de là. Tu l'emmènes chez les hospitaliers et tu me rejoins. Où? Je vais au-devant des autres. À pied? Oui, il a besoin de mon cheval. Tu vas marcher à pied? Oui, comme un pèlerin. Il n'y a pas que des coups d'épée à donner en Terre Sainte. Allez! Vas-y. Viens.
Donne. Je ne suis qu'un pauvre pèlerin. Un pèlerin a toujours des pièces d'or avec lui. Donne. Tenez. Et merci. Attaqué, rançonné, me voici grâce à vous devenu un pèlerin. Arrive en route, peut-être. Qui t'a rangé comme ça? Paix sur vous. Tu salues comme un arabe. Qui c'est celui-là? Un patron de bateau m'a débarqué à Antioche, à plusieurs jours d'ici, dans le nord. Il n'a pas voulu m'amener jusqu'à Jaffa. Bah, tous les mêmes, tous des voleurs. Des signes de croix, mais des voleurs. Je descends à petites étapes par la côte. Ben alors, t'es perdu dans ce pays comme nous? Perdu. Ah, un de plus. On ne veut pas de quelqu'un qui tend la main. Mais à un pèlerin. On lui doit la charité. Chacun pour soi. Ce n'est peut-être pas assez. N'avance pas. Pourquoi? Puisque je suis ton frère par le baptême. Non. Mais si, pourtant. Et je te demande de partager ta couverture. Non! La terre est à tout le monde, pas ma couverture. Je m'appelle Thibault. Et toi? Pourquoi tu demandes? Pour te parler comme à un chrétien. Un chrétien a toujours son nom bien planté fièrement dans le cœur. Avec là-haut en paradis un saint pour le protéger et l'attendre. Quel est le tien? Guillaume. Guillaume? Il t'a fait une bonne attrape. Une attrape? Sa fête est le 1er janvier. Ça oui. On m'oublie souvent ce jour-là. Tu vois, Guillaume, on peut parler sans mettre la main au couteau. Il est jamais loin. Guillaume, tu es un chrétien comme moi, et l'un des meilleurs. Tu te moques, hein? Un des meilleurs, puisque tu as tout quitté là-bas en France pour venir prier sur le Saint-Sépulcre. Et pourtant, ce couteau, pourquoi? Toi, tu me parais bien curieux.
Tu préfères que je ne te prête pas attention, comme si tu n'existais pas? Quand je me suis embarqué, à Gênes que c'était. Eh bien, à Gênes, avant même d'être sur la mer, j'avais déjà été volé. Et par qui? Par un chrétien comme toi et moi. Le patron du bateau? Voilà. J'avais payé pour arriver à Jaffa et tu sais où il m'a débarqué? Dans l'île de Chypre. Ouais. Moi, Guillaume Marcereau de Poitiers, j'ai tout fait. Tout payé. Même alors tout volé, oui. Avec l'argent, j'ai pu remonter sur un bateau, un vénitien, celui-là. Mais du pareil au même, Jaffa s'était promis, juré et payé. Payé. Et me voilà ici, sur une côte déserte, loin de Jaffa. Jaffa, c'est pas encore un mensonge. C'est bien à Jaffa qu'on trouve la piste de Jérusalem. Mais oui, Guillaume. Toi, tu me parais trop bien dans tes bonnes façons. Je les ai rencontrées aussi, les bonnes façons qui en cachent de mauvaises. J'ai tout rencontré, je te dis. Même des pèlerins qui essayaient de voler mes dernières pièces. Celles que tu avais volées dans l'île de Chypre? Ouais, mais pas à des chrétiens. Pas encore à ce moment-là. Toi, tu me fais trop parler. Assez. Je suis chrétien, comme vous, Geronimo Longo. Je suis commerçant, citoyen de la République de Venise. Un vénitien? Mais encore un voleur! Écoutez-moi. Non, tu viens nous mentir! Vous sauver. J'ai de la viande séchée, des épices, et je vais à Jaffa. Un vénitien qui nous promet Jaffa. T'es pas le premier. Mais moi, j'y vais. C'est par là, par là! Tu le jures sur le Christ? Toujours, toujours quand je dis la vérité. Je vais à Jaffa. Voilà. Et tout le monde y trouvera son content. Je vous guiderai, je vous montrerai le chemin, je vous donnerai à boire et à manger. En vous retrouvant sur le chemin du Saint-Sépulcre, c'est votre salut éternel que vous allez gagner. Et moi, quelques besans que vous réussirez bien à trouver au fond de vos hardes. Un voleur! Je vous avais dit encore un voleur! Mais non, la viande séchée, les épices, tout se paie. Je les ai payés, moi aussi. De toute façon, je n'emmène personne par la force. Si vous ne voulez pas payer, eh bien, restez ici, bien tranquille, pour votre bonheur et celui des vautours. Tu le crois? Pour les vautours, oui. Non! Chacun pour soi, je te l'ai dit pourtant. À vous tous et sans grande dépense pour chacun, vous pouvez aider votre frère à atteindre comme vous le tombeau du Sauveur. Alors comme ça, tu n'as même pas une seule pièce? Pas une seule. Comment tu expliques? Le vol, la pauvreté, vous savez ce que c'est. Ouais. Eh bien, s'il n'y en a pas un à rester sans une pièce, sauf toi. Toi, tu serais un traître, peut-être bien. Un renégat. Je veux repartir avec vous. Pourquoi? Je n'avais besoin de personne, maintenant j'ai besoin de vous. Eh ben, nous, on n'a pas besoin de toi. Il n'a pas le sou! Tu n'as qu'à me le donner. Ah! Arrêtez! Arrêtez! Bande de gueules! Qu'avez-vous contre cet homme? Toi, qu'est-ce que tu lui reproches? Un gueux sans un sou. Et toi-même? Regarde. Tu lui reproches sa pauvreté? Qui a tenu des pièces dans sa main? Jésus ou Judas? Allez, viens, mon brave homme.
Je vais te mener au tombeau de notre Seigneur. Cela ne le mérite pas. Ils viennent pourtant de beaucoup plus loin que moi. Ils se sont perdus en route. Allez, viens, laisse ces gueux. Je reste. Après un mouvement de colère, comme il nous en arrive à tous, je suis certain que mes frères voudront bien de moi. Oui. Oui. Ah oui. Nous avons péché. Oui, tu es notre frère. Oui. Nous donnerons l'argent pour toi aux Vénitiens. Tu viens avec nous. L'an prochain, à Jérusalem! Il part! Il part avec notre argent! Notre argent? On s'occupait de toi! Il en a profité. Nous voilà abandonnés. À cause de toi! Oui! Sans toi, je l'aurais surveillé! Ils n'auraient pas pris l'argent! Tu les entends? Des chrétiens bien charitables. Qu'est-ce que tu leur réponds? Que je suis heureux d'aller avec eux jusqu'au Saint-Sépulcre. Tu connais peut-être le chemin. Tu sembles être de ce pays. Oui. Tu peux nous conduire? Oui. Mais toi, qui es-tu? Je suis l'écuyer d'un maître qui m'a abandonné. Un Vénitien? Non. Un chevalier. Toujours à vouloir donner l'exemple, mais jamais le même. Pour le tombeau du Seigneur. Il en reçoit de belles visites maintenant, le Seigneur, ah oui? Tiens, regarde. Tarim. Enfin, quelque chose qui ressemble à ce que je connais. Non, tu files. Tarim a son repère près d'Ascalon. À toi d'amener du monde sur la piste d'Ascalon. Les Templiers de Beit Jibrin? En deux groupes. L'un devant, sur la piste, bien visible pour leur permettre de fuir, sans massacrer personne. L'autre derrière, pour les cueillir. Je te retrouve. Tu files. Allez, hop! Allez! Ah, des bandits, des bandits! Pitié! Pitié! Nous n'avons plus rien! Malédiction! Malédiction! Il me donne 1000 besans, sinon c'est le marché aux esclaves. Tarim, il dit que si vous donnez 1000 besans, vous pouvez partir. Sinon, il vous vend comme esclaves, vous tous. Non! Oh, je ne veux pas! Je ne veux pas! Tarim, il dit que vous êtes tous des voleurs. Vous savez voler les marchands. Alors, avant le marché aux esclaves. Toi, tu te mets à genoux. Et moi, je dis... À genoux! Moi, je dis... Ce n'est pas devant un infidèle que je me mettrai à genoux. Non, non, jamais! Moi, je me mettrai à genoux. Je n'aime pas rire, Planchot. Tu as eu tort de venir. Frère Templier, ton devoir. Je connais mon devoir, écuyer. Mais enfin, Thibaut prisonnier, vaincu, cela devait arriver un jour. Je lui avais dit. Mais sa grande jeunesse l'empêchait de m'entendre. Il s'agit de chrétiens. De chrétiens venus de France. À travers les mers, à travers le désert. Il s'agit de tes frères. C'est ainsi que tu présentes la chose. Maintenant. Mais tu te moques.
Pour toi, il s'agit de Thibault, et non de ces pèlerins, avec qui lui a pris fantaisie de cheminer. Eh bien, tant mieux! Les Templiers seront obligés de le sauver, puisqu'il est avec eux sur la piste. Tu les sauveras! Faute de quoi, tu perds ton salut éternel. Faute de quoi, tu gagnes l'enfer éternel. Alors, que choisis-tu? Je ne veux pas être esclave, je ne veux pas! Aie confiance. Tes amis nous attendent. Tu as des amis par ici? Toi aussi. Chevalier Thibault, tu as eu ce que tu avais demandé? Oui. Tu es un chevalier? Tu ne l'auras pas encore dit? Un chevalier? Mais moi, j'ai tiré le couteau. Je t'ai cogné. Et toi? Et Tarim, tu vas pas le laisser aux Templiers? Eh bien, si, pour une fois. Qu'est-ce que tu dis? Que je continue avec mes compagnons jusqu'à Jérusalem. Il n'y a pas que des coups d'épée à donner en Terre Sainte.